La question du port du voile, du port des bijoux et des tresses, du port du pantalon revient très souvent dans le milieu chrétien. Il est donc nécessaire que nous soyons éclairés sur ce point. Que nous dit la Bible concernant l'attitude de la femme vis-à-vis du port du voile? Découvrons-le sans plus tarder. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 à 5. D'après ce texte, le port du voile pour la femme chrétienne est un conseil pressant qu'elle doit respecter lorsqu'elle prie et prophétise. Il n'est donc pas question de le porter en tout temps. Il s'agit ici d'honorer son chef. De quoi s'agit-il? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 6 à 10. Nous savons tous que les cheveux sont la gloire d'une femme. Et si elle en était dépourvue, ce serait un sujet de honte pour celle-ci. Si donc une femme refuse de porter le voile selon les conditions citées plus haut, elle doit également se raser ou se couper les cheveux. Le texte nous dit que l'homme est à l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Et pour cela, il ne doit pas se couvrir la tête. Cependant, la femme, elle, est la gloire de l'homme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et donc, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. L'apôtre Paul ajoute que c'est à cause de l'homme que la femme a été créée, d'où sa position d'autorité sur la femme. Mais le véritable problème du port du voile est que la femme doit se couvrir la tête à cause des anges, car la femme a été faite pour l'homme et non pour eux. Se tenir en présence de Dieu et donc en leur présence oblige la femme à se voiler. Pour mieux comprendre ce détail, je vous invite à lire les 4 premiers versets du chapitre 6 de la Genèse. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans s'être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile? 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Nous savons tous que de nature, la longue chevelure est un apanage de la femme, car c'est sa gloire. Aussi devons-nous comprendre l'analogie que l'apôtre utilise ici en disant que la chevelure de la femme lui a été donnée comme un voile. Car plusieurs utilisent ce verset pour déclarer que les cheveux de la femme sont déjà un voile. Effectivement, les cheveux sont le voile de la femme. Et c'est pourquoi lorsqu'elle en est dépourvue, elle est gênée car sa gloire lui fait défaut. De même, étant donné qu'elle-même est la gloire de l'homme, elle doit se couvrir la tête devant les anges pour ne pas que la gloire de l'homme lui soit enlevée. En ce qui concerne la parure extérieure de la femme, la polémique est grande. Et en général, elle tourne autour de ce verset. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Le problème serait donc d'identifier ce qu'est un vêtement d'homme et un vêtement de femme. Nous vivons dans des sociétés différentes, où les cultures sont diversifiées. Ainsi donc, un vêtement que certains qualifieront de féminin pourrait être dans une culture différente, l'apanage des hommes. Aussi, certains vêtements dans certaines sociétés sont portés par les deux sexes. La véritable question que nous devons nous poser est de savoir si nous avons bien compris le verset. Car nous pouvons remarquer que le Seigneur ne donne aucun détail concernant ce qui est un vêtement d'homme ou un vêtement de femme. Il devient donc évident de comprendre qu'il ne s'agit pas de l'apparence extérieure du vêtement, mais plutôt de l'état d'esprit de celui qui le porte. Ce verset nous parle du travestissement. Dieu t'a créé homme et toi tu veux ressembler à une femme ou vice-versa. C'est cela que condamne le Seigneur. Aussi, il est évident que dans une culture où la robe est un vêtement de femme et qu'un homme la porte, il sera mal perçu de cette société et vice-versa. Prenons donc le soin de ne pas être un scandale aux yeux de Dieu ni à ceux des hommes. Cette question ainsi traitée, voyons le point sur le port des bijoux et des tresses. Nous pouvons lire un équivalent dans 1 Timothée chapitre 2 versets 9 à 10, mais j'ai préféré ce texte en raison de la qualité des détails. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt,
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 4. Il est vrai que Dieu regarde au cœur, tandis que les hommes regardent à l'apparence. Cependant, ce n'est pas une raison pour se vêtir n'importe comment, car n'oublions pas que c'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées. D'après les différents textes cités plus haut, une femme ne doit pas privilégier son apparence extérieure à celle intérieure. Elle doit travailler chaque instant à embellir son âme, afin de la présenter sans ride ni tache au jour du Seigneur. Mais comme l'enseignent plusieurs, il ne s'agit pas pour la femme de ne point porter de bijoux ou même de se faire des tresses. Cependant, elle doit avoir une apparence extérieure modeste. Et donc, elle ne doit pas porter des bijoux de grande valeur, ni des tresses qui coûtent des fortunes. Car la finalité serait de paraître devant les hommes plutôt que devant Dieu, ce qui n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. Pour ce qui suit, cela n'est que mon avis et ma réflexion personnelle. Il revient à chacun d'en juger selon ce que lui dira le Saint-Esprit. Concernant les mèches, qu'elles soient synthétiques ou naturelles, elles ne proviennent pas de ta personne. Je pense que le Seigneur n'était pas à court de matériaux lorsqu'il te façonnait dans le sein maternel. Il en va de même pour les faux ongles, faux cils et tout ce qui est faux. N'est-ce pas la volonté du Seigneur que tu sois tel que tu es? Pourquoi voudrais-tu, entre guillemets, améliorer ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce un sous-entendu pour qualifier Dieu d'incapable? Pour ce qui concerne le maquillage, il s'agit dans la grande majorité de masquer les soi-disant défauts du visage. Sache que Dieu ne se trompe jamais et qu'il t'a fait tel que tu es pour la gloire de son nom. Apprends à t'accepter tel que tu es et tu verras que tu seras délivré d'un très grand fardeau.